Haïti Insécurité, dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Dimitri Erard, le responsable en chef de la sécurité de l'ancien président Jovenel Moïse, entendu hier à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti et mis en isolement. Quel sera son sort? N'a pas marié, n'a pas traité tous les quatre points ensemble. Haïti politique, dossier président provisoire pour l'après Jovenel Moïse. Le Sénat atteindra-t-il son objectif avec le sénateur Joseph Lambert comme candidat au poste de président provisoire? On a tout traité là avec l'autre point qui dit Haïti politique, grande déception pour le Premier ministre nommé Ariel Henry hier à Caribe Hotel. Quel est donc l'avenir, quel est donc son avenir ainsi que celui de son cabinet? On a tout traité là avec des points qui disent Haïti criminalité. Le président Jovenel Moïse, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, drogue, kidnapping, trafic d'armes, blanchiment d'argent, trafic d'organes, politique géopolitique. Qu'est-ce qui est donc à la base réelle de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Qui sont les vrais coupables? On a le. Nous avons 4 points là, on a peut-être ensemble. Nous partis, non. Okay. On a dit d'abord, donc non, implication et sécurité président Jovenel Moïse et mise en isolement donc, de M. Dimitri Erard. Et on nous était là, donc on dérapé d'abord avec ça. La pertinence dans la question de la sécurité du président de la République, l'arrogance percutée. Est-ce que tout, tout entré dans la question de droit kidnapping, Soubazao et puis et influence géopolitique? Donc, on a tout rentré là-dedans. L'arrogance percutée de Dimitri Erard, sortie et entrée de Dimitri Erard à travers la Colombie, l'Équateur, via Santo Domingo, vient fragiliser en tant que chef de l'unité de la sécurité générale du Palais national, qui s'est. Premier porte d'entrée, sécurité président, hein? L'offre vient 6 mots. Ok? L'offre vient 6 mots qui devant. C'est palais national. Et quel est le palais national? Quel est la résidence présidentielle là? C'est équipe Dimitri Erard pour venir. C'est équipe Dimitri Erard hein? Pour ben entrer la carrière président. Et venir avec arrogance Dimitri Erard dans 4 dossiers. Hein? Les commissaires gouvernement relé monsieur. Les a fait interrogatoire avec lui. Façon la parler avec non, chef. Il pourquoi non il pourquoi répondre paquet. Non non mais ça il pas répondre. Il pas répondre. Il pas répondre paquet. Alors madame monsieur l'information c'est que hier et paquet a invité Dimitri Erard ainsi que donc Alguel civil donc il va aller. Ouais. Alors, sous prétexte que il y a mesure du conservatoire donc pas aller. Avocat civil d'aller. Okay. Avocat civil d'aller. C'est George. T'aider ça là-bas. Donc finalement, l'inspection générale tendait. Et monsieur Yo, mais Yo Kembe en isolement. Pourquoi ça c'est isolement ça? Alors, c'est son président. Non, et c'est. Alors, sur le plan administratif, c'est ça lié. Yo comme prend mesure conservatoire, contour, mais Yo capable tout mettre en isolement. Ok. Léo gagne des évidences. Là, on a parlé, madame, monsieur, c'est chef sécurité. Président Jovenel Moïse là. Alors, pas chef sécurité président, non? Il est chef sécurité général du Palais national et résidence président qui vient de prolongement Palais national. Palais national, très bien. Donc, le fait que monsieur lui-même. Henri Cochet, qui est oui. Chef sécurité président, monsieur. Non, pas chef sécurité président. Le coordonnateur de la sécurité. Qui est-ce qui est chef sécurité président? Jean Civil Hagen. Qui est coordonnateur général de l'unité qui a sécurisé. Qui c'est unité sécurité présidentielle. C'est-à-dire, USPA, c'est lui-même qui est ensemble président. Jean Alguel et Dimitri Erard, c'est deux responsables. Deux responsables. Sécurité, président, Jovenel Moïse. Et l'autre est quatre teams. C'est-à-dire, c'est trois groupes SAO qui sont responsables sécurité président. Okay. C'est l'USGPN, quatre teams. SP. USP. USP, très bien. Donc, ça veut dire que trois groupes SAO, c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'amour président. Okay. La vie président. L'amour avec la vie président. Ça veut dire, quel que soit Jean-Président Mourila, trois groupes ça yo. Des questions pour répondre. Il y a pile bagaille. Des questions ah pour répondre. En pile questions pour répondre. Evin Jwen, qu'on y a là. Le type qui s'appelle Dimitri Erard, dans la façon il a interrogé au niveau de l'inspection générale, dans la façon il a commencé par là avec policiers
de haut cadre au niveau de la police nationale. Les relèl, il était tué pendant président en difficulté. Léo vient révéler que monsieur était reçu plusieurs appels de la police nationale dans moment côté président était en difficulté. Il pas répondre au secours du président et la première dame. Ça veut fragiliser monsieur et par rapport avec tout dossier que monsieur gagné qui en connexion avec question sécurité ZAM, question voyage en janvier il voyageait, en mai dernier il voyageait et qui bon aller en Colombie. Information ici Madeleba. Dimitri Erard, yon nan responsable président sécurité président Jovenel Moïse, actuellement en isolement dans l'inspection générale en chef, dans l'inspection générale de la police. Sous compte inspection générale, alors sous compte inspection générale, mais li gardé à vue, alors m'oblige dit. Non, monsieur Labrisson. Li gardé à vue, li gardé à vue, li gardé à vue, monsieur Labrisson, monsieur Labrisson. Dans Delma, non, commissariat Delma. Ok, li nan prison. Alors ça va te dire la sortie. Eh ben, Dimitri Erard, ça va te dire la sortie que monsieur non garde à vue tel côté. Eh ben, Dimitri Erard, non garde à vue Delma 33 commissariat Delma 33. Information. Ils sont éléments clés. Vous avez là. Le monde pas de besoin. Non. Ici, matin débat. Effectivement. Premier élément enquête là. Révélé que Dimitri Erard, yon responsable sécurité président Jovenel Moïse, te voyagé pendant plusieurs fois entre Équateur et Colombie. Via Santo Domingo. Il passe Saint-Domingo. Ça, c'est yon vérité. Mon cadre qu'est-ce que madame, monsieur? Question que nous devons poser ici en émission Matin Débat. En veillant pour nous voir si, dans le cadre de l'enquête, si causé ça papa le balai. Est-ce que Dimitri Erard a été de son propre chef prend initiative à aller Colombie également Équateur par la ville de Moura. De qui avait-il l'autorisation? Le sac qu'il avait en main contenant l'argent pour faciliter le voyage ou bien le transport ou bien l'arrivée de ces militaires colombiens. Qui soit-il là? Côté sac. Hey! L'agent. Vous écoutez Matin Débat. L'agent. Qui est doué? Madame, monsieur. Ici, c'est émission Matin Débat. Donc, c'est émission PIA. Ici, c'est émission Vérité. Est-ce que Dimitri t'allais de son propre chef pour contenir le prendre décision d'aller Colombie. Qu'est-ce qui chef Dimitri? De qui est-ce que tu as une autorisation? Président. Président. C'est le président qui est le chef, ok, de toute unité. Ça t'a fait Colombie. Est-ce que pas de valise l'argent? L'argent ça pour te faire qui ça? Les questions à poser. Est-ce que pas de gouvernement les agents? Est-ce que le président est toujours contrecarré? La question de drug dealer en d'un pays. Allez, premier, c'est premier analyse que nous avons fait sur ce donc ça veut dire qui ça? Est-ce que Dimitri Erard te sent-il dans la situation pour te sauver? Est-ce que Dimitri avant la mort?
Non, après la mort là. Après la mort. Parce que bon, Marie Père était là tout. Dimitri n'est pas capable d'explication comme chef sécurité président après assassinat. Il y a des questions pour les bonnes, même j'ai avec Jean-Algel civil. Clair. Même j'ai aujourd'hui à tout égard dit Léon Charles. Des questions pour lui répondre tout. Clair. Non. Secteur général de la police. Non, FBI a passé tout le monde. Même j'ai tout. Claude Joseph comme président de CSPN. Permettez la doute. Des questions pour lui répondre tout. En clair. C'est normal. Alors malgré et que et la sortie de noticias ou bien son bagage, son faux bagage lié. L'armée colombienne te démenti lui et son méchanceté on ne peut plus. Son gros méchanceté. Bon bataille, bon bataille là. Gros méchanceté. Vous avez nous dit faut que nous prenions pile précaution à dossier ça. Oh, maintenant, Caraïbes pour la donner. Yes. Radio Caraïbes pour la donner. Non, tout pour moi la donne. Écoutez-moi. Non, c'est grave. Question et noticias. Noticias et caracol. Caracol là. Oui. Ok, ça c'est. Ça c'est du vagabondage. Ça c'est vagabondage. Vagabondage. Et c'est juste pour. C'est la grande mafia. C'est la grande mafia. Il faut poser la question, est-ce que. Non. C'est pas cartel de drogue qui a agi. C'est Nana Zanoué là, madame. Ah! Alors, pour qui ça me dit que Claude Joseph, comme président CSPN, il n'est pas capable de dire. Il faut répondre aux questions. Il faut répondre aux questions. Est-ce que le président de l'île, si le président de l'île, il commence à tailler comment? Oui. Comme si il est clair. Et même si, même j'avais que Léon Charles. Oh. Clair. Léon Charles, le président, le directeur général de la police nationale d'Haïti, il y a des questions qui pourraient éclaircir dans la population. Ah, il a dit, mais t'es côté de l'île. Qui est le monde qui te relève, s'il n'est pas le président, qui disposition que le prend, ça est important. Il y a un conseil, je vais profiter pendant parler de Claude. Gomba est passé dans le ministère des Affaires étrangères hier soir vers 8h. Alors, nous souhaitons responsable du ministère des Affaires étrangères, il y a maintenant une enquête. Il y a plusieurs personnes qui ont passé. Vous connaissez dans la route là, oui, dans ma 60. Oui. Et il y a deux ou trois machines. Qui est entré dans le ministère là, qui a cherché un peu de bagage ou bien qui a poté un peu de bagage. Ok. On rapidité. Cap fait, monter, descendre. Entre le ministère des Affaires étrangères? Non, on n'a pas loin dedans. Machine qui a cherché bagage ou bien qui a déposé bagage. Ok. Donc, il a cherché un peu de bagage dans le ministère, il a pris un peu de bagage. Deux ou trois machines. Nous souhaitons, parce que c'est dans la rue, il y a des gens qui ont passé, qui ont gardé. Et puis rapidité, le ministère des Affaires étrangères n'a pas un miracle, mais hauteur, c'est là. Donc nous souhaitons à ce que les gens qui sont responsables du ministère, il y a une enquête. Hier soir, il y a un public qui a passé, il y a des gens qui ont passé quoi. Eh bien, essayez de connaître ça. Eh bien, ok. Maintenant, Dimitri Erard, il était sauvé. Non, moment, après comme ça. Et tu as fermé tout côté net. Tu as fermé parce que tout est fermé. Quand même son gros responsabilité. Ah oui, mais c'est l'âme, je ne sais pas de cas sauver. Ah, mais voilà. Mais bien maintenant, tout, si Dimitri n'a pas sauvé, ça veut dire que. Il parle pour parler tout. Il faut qu'il parle. Ah ouais? Mais de toute façon. Il parle pour parler. Et Jacques fait. N'a pas dit matin là. Dimitri n'a pas parlé pour parler. N'a pas dit matin là. Sous matin débat. La police nationale prend responsabilité. La police nationale prend responsabilité. Est-ce que Dimitri Erard, c'est un homme. C'est un élément clé dans le cadre d'enquête cap mené, dans le cadre d'enquête cap mené sous la mort, sous l'assassinat qui va être sous président Jovenel Moïse. Là. Donc, il a besoin de protection. Responsable de sécurité président Jovenel Moïse, le président assassiné. La question à se poser, est-ce qu'elle était capable d'aller à Colombie sans une autorisation quelque part? Sans un accompagnement quelque part, bien entendu. Est-ce que pas de valise l'argent? Est-ce que c'est un voyage privé, comme tu parles personnel? Mon frère, est-ce que pas de valise l'argent? Mais pourquoi ça s'appelle des voyages comme ça? Ah. À Colombie? Alors, on va ça, madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur. D'abord, nous même pour ça, Colombie, à mettre pression là. Ou pas m'a dit matin, dans l'émission matin débat, mon gilet mon gibalé dans moi, mais il faut que je dise, c'est droit international lié. C'est droit Colombie pour le demander.
bon traitement pour Colombien. Quel que soit l'État, quel que soit le pays, ressortissant qui font infraction dans le pays, c'est droit sur le plan international, sur le, en termes de droit international. Oui. Pour demander au pays, pour le, foyer, pour le rapatrier. Foyer, compatriote de Bali, pour juger s'il estime que est coupable. Que non, s'il estime que pays a pas qu'à au bon jugement. Oui. Pas qu'à faire bon jugement sur eux, permettez la tout. Il dit il pas voulu faire abus. Parfait. Ouais. Donc, en termes seulement de droit international. Et ça qui est impliqué dans le cas de en termes de droit international, madame, monsieur, comme je dis, matin, débat sur l'école liée. Il y a des gens qui sont nationalistes, moi-même, j'ai commencé à faire position tout. Mais les mêmes pour consulter sur mon avocat. Ils me disent, non, mon cher. En termes de droit international, c'est normal que Colombie mande que l'État haïtien. Dans le cadre de coopération. Les juger que l'État ici n'est pas capable de juger équitablement. Claire. Voyez par les petites lions, lui-même la juger lui-même. Oui, oui. Mais cependant, ça de fait. Si vous accord, sous question ça entre Haïti et la Colombie. Colombie. Oui. Même si Haïti gagne un accord là avec Santo Domingo. Les États-Unis et également Santo Domingo, sous question, madame. Oui. Ça veut dire que ça, madame. Je dis, la Colombie a fait tout ça qu'on est pour le bail. Il y a une certaine vérité de ce qui passe. On ça. Parce que actuellement là. Va ne pas être l'aide tout. Aïe aïe aïe. Ah. Actuellement, on a permis la toute. Colombie, non, Amérique latine, non. Tout pays vient de Bali. Parce que. Parce que Colombien. Impliqué. Impliqué, toujours impliqué dans la question. Fier bagaille qui fait dans le Caraïbes là. Ouais. Également dans Amérique latine, non, en termes de déstabilisation de gouvernement. Oui. En fait, c'est des sales jobs qu'il a fait, ouais. Pour les États-Unis d'Amérique ou bien pour la Russie ou bien pour l'Argentine. Ouais. Je dis, tout, c'est des ex-militaires. Toute tout Amérique latine a gardé Colombie dans le dossier Haïti là et Venezuela. Faut le président Maduro. Sorti griffé. Il sorti griffé. Il victime. Il victime. Oui, victime. Il victime. On victime. Je dis que Colombie, dans le moment, a fait très attention. Pour ces vérités, il y a seulement qui sortit dans l'enquête sur Haïti parce que les vérités a fini sorti, la capable à l'aise pour faire pression pour Haïti, vous et Bali, compatriote Palio, pour juger pratiquement donc la Cali, madame monsieur. Ça veut dire que ça veut dire que madame monsieur, Colombien qui vient en Haïti, yo, est-ce que vous êtes venu spécifiquement pour assassiner le président Jovenel Moïse? Est-ce que vous êtes venu tout matin de... Aïe aïe aïe, nous connaissons. Le voyage de Dimitri Erard, selon l'autre information que je viens de débat. Monsieur Dimitri Erard, est-ce que c'était seule mission au minute des Haïtiens? Commando colombien et vénézuélien qui devine en Haïti, en particulier colombien, est-ce que c'était seule mission spécifique que tu as gagné pour assassiner le président Jovenel Moïse? Est-ce que pas un problème qui passait quelque part? Entre temps, est-ce que pas qu'il y a deux groupes colombiens tout qui vivent? Non, l'autre premier groupe colombien que tu as parlé, il t'a fait demande pour de. Et c'est une question de police et pas groupe de monde. Alors, monsieur Dimitri Erard a produit une requête auprès des autorités haïtiennes réclamant 3,5 millions de dollars en vue de renforcer la sécurité du président de la République. Un mois à l'avance. Monsieur Dimitri Erard a produit une requête auprès des autorités étatiques en vue de renforcer la sécurité du président de la République un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Qui vous pour le faire là? La direction générale de la police, après ça, la requête là. Directement au gouvernement. Auprès du gouvernement. Il produit requête là, parce que c'est lui-même qui est chef de sécurité président. Ouais. Ouais. Donc, il produit requête pour renforcer la sécurité président. 3,5 3,5 millions de dollars. 3,5 millions de dollars. Est-ce que l'argent, il te baille l'argent? Est-ce que il te baille l'argent? Pas qu'on est. Mais seulement la requête a été produite par Dimitri Erard. Mais à partir de là, est-ce que le président n'a pas droit au courant? Mais non, il est au courant même, mon cher. C'est des questions à poser ici dans l'émission Matin Débat. Est-ce que commande de Colombie ça t'est venu spécifiquement pour l'assassinat du président Jovenel Moïse d'ailleurs? Ou bien tout, avant arriver, est-ce que Dimitri Erard t'est dit président, Bral Colombie,
dans même quatre demandes l'agent ça a pour renforcer la sécurité li. Correct. Et ça fait moi tout. Ha! Autorisation, est-ce que pas de gros accompagnement? Est-ce que Dimitri a pas de gros accompagnement? Est-ce que pas de gros monde qui t'accompagne? Est-ce que pas de l'autre côté? Est-ce que pas de gros autorisation côté pour rentrer dans toi? Non, c'est qui pas vous dit. Pour t'effectuer voyage ça donc économique. Il pas capable aller, ça qui sûr, il pas capable faire déplacement. Voyage ça pour compte lui de son propre chef. Ouais, non. Il pas capable faire. Ensuite, tenant compte des informations que vous avez eues, gagner deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est combat de gang, kidnapping. Tu as gagné Colombie d'abord, avant. C'était annoncé par le ministre alors, jour de fait, avec le premier groupe alors, colombien. C'est, non, pour policier. Ça, c'est ma parole de oui c'est toujours colombien oui mais on va t'en venir vous t'es venu non il était sous bon premier ministre parlait de il était parlé de quatre il était sous il était venu premier ministre t'es parlé de oui dans quatre coopérations anti-kidnapping voilà la police on cherche l'ambassade américaine voilà la police colombienne jusqu'à ce que nous songeons dans quatre opérations la boule des moun qui te dit yo te wè de étrangers d'étrangers qui était là alors chef la police là te porté précision pour te dire yo pas là souterrain comme moun qui t'a mené opération mais yo te là comme quoi c'était conseiller instructeur de là c'est pas yo même qui t'a mené la cadre opération la boule là mais le rapport qui gagne entre deux groupes de colombiens ça c'est la raison pour laquelle la question demeure sur la table de matin débat madame monsieur. Est-ce que commando ça, living in Haïti, avec mission spécifique et seule mission pour assassiner le président Jovenel Moïse? Est-ce que pas qu'on qui changer quelque part maintenant tout? Aïe aïe aïe! Est-ce que pas qu'on l'autre parole qui parlait? Aïe aïe aïe! Combien de temps t'es là? Depuis combien de temps t'es là dans le pays? Ouais. Aïe aïe aïe! Dimitri, regarde, pile parole pour le dire! Pas analysé! Et ça a demandé sécurité pour Dimitri là! N'a pas analysé! Sécurité pour Dimitri là! Sécurité pour la Dimitri Erard. Sécurité pour Dimitri Erard. Et qui agent Swatens qui fait connaître la plupart des Colombiens qui dans pays hein, ils ont devenu comme garde du corps. Ouais. Est-ce que comme garde du corps. Ouais. La question de sur la table de matériel. Le plan et d'autres parmi eux même avancé un chiffre de 5 qui te connaît plein d'assassinat président. Aïe aïe aïe.